Lock and load. Let's do this. They're here! I got it! I got it! Oh, Mandel! Got one. Lock and load. Let's do this. Roger. Hostile in sight. Wilco. Who's there? On target. Got one. They're here! Covering.
On your mark. I'm on it. Flash out! Salut Chinsaiki, premier arrivé. Bon, t'es là pour la before, on a le temps encore avant de commencer. On se fait une petite partie de Tours Kicker tranquille. Salut Rada. On target. Allez, hop. Got it. Petite grenade là. Affirmative. On va se la jouer. Hop. Tac. I'm on it. Synchronisé. Alpha, go. Flash out. Continue. Got it. Okay.
target. No tangos. Ok. Je vais juste vérifier. 26-30. Faut jamais recharger dans le feu de l'action. Donc lui il a 13. Attaque. Recharge. On recharge avant d'attaquer. Ok, c'est bon. Hop. Roger. Hop. Hop. Merde, et lui. Tac. Ok, personne dans le couloir. Parfait. Ah, c'est qui a la caméra? C'est lui qui a la caméra. Ok, y'a personne. Allez. Covering. Ok, donc là. Wilco. Personne là, parfait. Alors là, comment je me la joue? Comment je me la joue? Là, ça va être chaud de prendre ça. Je vais prendre deux mecs qui vont contourner par le haut, deux mecs qui vont prendre par le sud et attaque simultanée. Parce que là, il y aura plein de gens. Et non, là, je dois sauver des. Je dois sauver des otages, donc non, je parie que les otages vont être là. Salut Chatbox, salut Megadev. Ouais, j'avais mis tester aujourd'hui la fonctionnalité de sondage de Hitbox que j'avais jamais utilisé, donc c'était l'occasion. Je savais que vous alliez apprécier. Ah, chatback, je suis pas sûr de pouvoir effacer tes messages, mais je vais faire ce que je peux. Ah. Ok, clear, personne. I'm on it. In position. Ok. Jusque là, ça va. Là, va falloir faire attention quand même. On sait jamais s'il y a des mecs dans la pièce. Parfait. Un otage. Ok, on va pas le tuer lui. Ok, ça c'est bon. Lui, il a la caméra. On va juste jeter un coup d'œil. Ok. Deux mecs, deux otages. Ok. Voilà, parfait. Lui, il a juste été un peu touché, il est en orange. Ça va encore, les otages sont dans les vapes, c'est pas grave. C'est bon. Ok. I'm on it. On your mark. Comment on va se la jouer là? Alors. Wilco. On va se la jouer comme ça. Affirmative. Et je la mets sur le signal A. Comme ça, ils vont être synchro. Allez, là ça va être tendu. Faut pas se chier là. Allez. Alpha, go. Flash out. On attend que ça pète, ça pète. On rentre. Okay. Tac. Regarde qu'il y ait personne dans les coins. Oh, y a pas grand monde en fait. Je m'en suis bien tiré. Allez, plus que deux pièces. Hop. Affirmative. Ok.
Là, y'a personne. Covering hostile inside. Ok, un mec. Got it. Là, on va péter juste pour le fun. Okay. Looks clear. Donc, dans ces moments-là, j'aurais bien aimé foutre des explosifs sur la porte, mais ça va tuer l'otage, donc... On va juste... Attends, non, on va pas faire comme ça... on va se mettre comme ça sur le côté. Ah merde. Voilà. On target. Comme ça. Lui, il va être direct dans la ligne de tir dès qu'il va ouvrir la porte. Voilà, good parfait. Job. We're done here. Get down. Bon. Je l'ai fait en 3 minutes 5 au lieu de 2 minutes. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il est quelle heure? 20h52, on a le temps de faire une autre partie. Ah, niveau 16, parfait. J'ai débloqué la classe Stealth. Pour pouvoir m'infiltrer. Awesome. Et j'ai gagné un trophée. J'ai envie d'y aller bourrin, là. Pas envie de sauver des otages. Là, c'est un temps limité, celle-là, je me fais chier. Pas un truc juste avec des terroristes à tuer. Tiens, on va tester le mission generator. Si Guibo est là, ça va lui faire plaisir. Vas-y. Medium, qu'est-ce qu'on va faire? Map size, allez XL, c'est parti. Allez, no visual intel. Generate house, kill house. Oh, Jibo est pas là. Ouais. Ah, c'est un peu à chier en fait. Lock and load. Let's do this. C'est quoi cette map de merde? C'est nul. Oh putain, c'est nul. Ah non, je passe. Abort mission. Ah, c'est pourri. On va faire la mission classique, elle est trop moche. Y'a pas une où tu dois zigouiller, voilà, celle-là où tu dois zigouiller des mecs, voilà. Ah voilà, parfait, y'a plein de terroristes et on va pas se prendre la tête. Alors, comment on va se la jouer là? Tac. Donc là, y'a un point d'entrée qui va être par là. Là il y a une seule personne, donc là où je peux le mettre, où les quatre ils vont être là, où je peux en mettre un là. Bon, allez, on va tenter comme ça, on verra bien. On va tenter, par contre, comme là, il n'y a pas d'otage à sauver, on va y aller méthode bourrine, c'est-à-dire grenade quoi. Attends, j'ai débloqué la classe Steals. Steals. Pas trop mal, ça vaut quoi Steals? Bon, allez, on va tenter la Steals. Merde, c'est pas ça. Donc Steals avec le petit. Quoique, j'ai combien d'étoiles? J'ai 20 étoiles. Ah, il y a des trucs bien là. Mais ils coûtent un peu cher, j'ai plus d'étoiles. Bon, tant pis, on va tenter avec celle de base. Ah, non. Donc celle de base avec ce gilet, la grenade, la spy camera, donc lui style, ce gilet, grenade, breaching kit, on sait jamais. Hop, grenade. Boum, allez, donne. Ah, salut Boer. Salut. Ah, mais moi je suis style, c'est la grenade quoi. C'est. Vous pouvez pas tester. Hostile inside. I'm on it. On it. Ok. On target. Did you hear that? No contact.
quoi, je suis... Je suis Stealth, mais... ils savent déjà que je suis là, quoi. Donc là, la porte est fermée. La porte est fermée, donc là, je peux la faire manual bridge, je peux faire un pick lock. Sauf que on va prendre lui qui doit avoir de quoi défoncer la porte avec un marteau. Ça ira plus vite. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Tac, tac. Donc là on peut voir qu'il y a des mecs qui se baladent. Ah salut Gracchus, salut Bardock, salut Megadeth, salut Kikastou, je ne sais pas si je vous ai déjà salué mais c'est pas grave. Vas-y, fais-moi un manual bridge. Donc là, comme lui, il a pas de kit de démolition, c'est un peu plus long. Et par contre, je vais me faire baiser parce que le temps qu'il ressorte son arme, j'ai été touché. Oula. Ils ont ouvert la porte. Heureusement que j'avais les mecs en position juste derrière. Tout va bien, tout va bien. Il a juste été un peu blessé. Ouh, 20h58, ça va être bientôt le début du stream. Enfin, du vrai stream avec des nazis. J'essaye juste de finir ça. Bah tire toi, voilà, tire, parfait. Wow, c'est bon. Tango down. Vas-y, toi tu te mets là. Toi tu vas rester par là en attendant que tes potes te rejoignent. Là faut essayer de couvrir tous les coins. Eh ben vas-y, fire. Oh là, oh là là, ça va pas bien là, ça va pas bien. C'est bon. Bon, il est encore en vie, on va le laisser de côté finalement lui. Je crois qu'on va le faire la mission à 3. Salut Estebadia. Putain là c'est un peu tendu là. Je lis le chat en même temps. Oui le mécène, l'homme qui a dépensé des millions sur Star Citizen. Il faudrait que je fasse un nouveau stream sur Star Citizen quand ils auront sorti la nouvelle version avec avec le FPS d'abord, mais aussi la dernière, mais ça je sais même pas, la fin du mois peut-être. Et là, surtout la version quand ils seront décidés à la sortir de PTU avec le tuto. Le tuto d'entraînement. Tac, alors on va aller par là. Donc un de ces jours. Voilà. Allez, suivez les mecs, suivez. Ah non, je fais pas de dons sur. J'ai pas mis un système de dons en place sur mon stream. Non, attends. Tac. Oula, là y'en a un, là y'en a un. Bah, fire, allez, t'as pas vu. Oula. Ok, y'en a un qui est. Oula, lui il est injured. Injured en rouge, c'est mal barré. Ok. On y va doucement. Donc soit c'est toi qui va prendre la place. Ok, y'a personne. Toi tu vas visiter les chiottes. Toi tu la porte. Oula, y'a des mecs. Oh putain. Ouf. Ok, j'en ai 3 en rouge là. Ouf. Ah bah c'est mal barré là. Ouais, là je sais que Radash fait des erreurs, mais en fait comme il est déjà 21h, j'essaie d'aller un peu vite pour passer sur les nazis et tout. Mais oui, là je bourrine un peu, c'est pas bien, j'aurais dû regarder, ouvrir des portes, méthodiquement là je fonce dans le temps.
contact. En plus, j'avais pris des armes plus puissantes. Là, j'ai pris des petites armes silencieuses, mais elles sont moins puissantes. Voilà, c'est qui le seul qui est pas encore connu en mourant? C'est lui. Allez, on va visiter par là. Donc, tac, tac, tac. Toi, tu reviens là. Hop, hop. I'm on. On your mark. Welcome. Salut Soalé. No contact. Ouf, y'a personne. Allez, toi, va visiter les chiottes. Avec un peu de chance, y aura personne. Personne, nickel. Affirmative. I got hit. Bah tire, Gadi, tire quoi, connard. I'm on it. Ok, personne là. Qu'est-ce qu'il me reste? Quelques pièces encore à visiter. Toutoulou. On it. Ouh, un mec. In position. Okay, covering. Roger. Merde, pas ça que je veux faire. Affirmative. Là. No tango out. Un truc qui sert totalement à rien. On it. Mais c'est pas grave. Non, je vais le supprimer, je vais le mettre sur le côté. I'm on it. Covering. Tac, tac. Ah merde. On it. Paf. Foulala. Et voilà. Ouh. Bon, il s'est fait tuer. Bon bah tant pis. Vu qu'il s'est fait tuer, moi j'ai pour... but de ne perdre aucun homme pendant mes missions. Donc, je fais pas retenter. Mais je retenterai la prochaine fois pour essayer de sauver tous mes mecs. Mais la prochaine fois, je pense que j'irai à la bourrine. Donc voilà, c'était juste une petite présentation en attendant un before pour présenter Dwarf Kicker, qui est très très sympa à jouer, franchement. J'avais déjà fait un petit stream dessus. Et non, vraiment très sympa, qui doit coûter 10-12€ et très très sympa. Par contre, Wolfenstein ne coûte pas 20€, enfin il coûte 20€ sur Steam, mais il coûte 10€ chez les Brésiliens, ce qui est un prix... plutôt pas mal. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais passer sur ce que vous attendez tous, Wolfenstein. Quitte game. Wolfenstein. Pourquoi veux-tu que Prestias soit là? Esteban, on est tranquille entre nous. On est bien là. Alors, petite introduction avant de... commencer le jeu. Donc, Wolfenstein The Old Blood, c'est un standalone de Wolfenstein The New Order. C'est un préquel, donc ça se passe avant le jeu original. C'est un jeu qui utilise l'IDTech 5, si je me souviens bien. Donc à cause de l'IDTech 5, vous ne pourrez pas avoir de replay en 720p, parce que le logiciel que j'utilise pour faire un double stream n'aime pas les jeux OpenGL. Donc replay à mode moche. Oui, j'ai fait 1% en 4 minutes 40 mégadev, mais en fait j'ai juste lancé le jeu pour tester le stream, donc j'ai pas avancé, j'ai juste tourné en rond, et juste pour configurer les graphismes. Donc voilà. Alors, comme tous les jeux IDTech 5, le jeu ne supporte pas le SLI, le Crossfire, j'en sais rien, mais moi j'ai deux 970, donc il y en a une qui se tourne les pouces, ça ne sert à rien. Le jeu est limité à 60 FPS, donc si vous êtes comme moi et que vous avez un écran 120Hz, ça ne sert à rien non plus. Donc jusque là ça va bien, c'est sympa. Je vais vous montrer les options graphiques. Donc pour tester rapido tout à l'heure, j'ai tout foutu en ultra et avec ma 970 je tournais à 40 fps. C'est voilà, c'est très bien optimisé. En fait c'est surtout quand je comprends pas des masses les options avancées, comme tous les jeux IDTech 5, la moitié sont assez étranges, style les caches des textures, c'est vraiment les trucs
qui sont vraiment caractéristiques du moteur IDTech 5, la compression des textures, les PPF max des textures virtuelles, va comprendre ce que c'est, accélération CUDA, je savais même pas que ça pouvait. Pourtant j'ai une Nvidia, non, je suis censé pouvoir utiliser CUDA, mais apparemment là ça marche pas, je sais pas trop pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on a comme option? Le PPF max, le filtrage des textures virtuelles trilinéaires qui doit être à fond. L'autre pièce, des textures virtuelles, le page fade des textures virtuelles, le truc. C'est vraiment bien expliqué en plus des options. Oui Gracchus, non, je ne fais pas comme toi, je ne mets pas ma tête en webcam. Ça ne sert à rien. J'ai mis les ombres en moyenne, je crois. J'ai juste désactivé la résolution des ombres en ultra. Je l'ai passé en K8000, je sais plus combien, 8100 machin. Ça, c'est peut-être ça que faisait ramer. Je crois que j'ai mis juste les ombres des personnages en moyenne. Et profondeur de champ, je laisse en élevé. Je crois que les rayons de lumière ne seront pas grand chose si c'est comme le New Order. Il y a des trucs qui servent à rien en fait. On voit rien visuellement et qui pètent les perfs. Donc voilà, franchement, reflet screen space, il me l'avait mis en moyen de base, je sais pas à quoi ça sert. Parce que reflet screen space permet d'activer les reflets screen space, vas-y, viens à la description, trace luminescence, pareil quoi. Brume halo, occlusion ambiante quand même, c'est le seul truc que j'en prends à peu près. Donc voilà, j'ai tout mis en assez élevé, sauf quelques trucs en moyen, on voit pas la différence. Et les textures sont toujours aussi moches, mais nous on veut tuer du nazi, donc on s'en fout un peu. Je vais faire une nouvelle partie pour que vous voyez la cinématique d'intro. De toute façon, moi j'ai fait les 3, j'ai joué 3 minutes donc je peux pas vous dire. Et donc c'est parti, nouvelle partie en difficulté moyenne. Amenez-vous. C'est quoi ça? Oui, je m'en fous, acceptez. Cette guerre est une épidémie. Les soldats en répandent les germes par leur sang. Je sens le vent de la tempête qui s'annonce. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an. L'avenir du monde pèse sur vos épaules, agent Blaskowitz. J'ai les reins plutôt solides, agent 1. En fait, on va la perdre, cette saleté de guerre. Personne me l'avait dit. On a toujours des magnifiques textures hein, sur la route et sur les cailloux. Mais bon. Est en train de fabriquer des machines de guerre invincibles au sein c'est de fluide, la des secrets. L'un de ses lieutenants, Helga von Scharps, conserve le dossier mentionné dans votre fiche de mission sur sa base d'opération, le château Wolfenstein. Wolfenstein. La position du complexe de Strasse. Yeah. C'est sans doute Strasse. Je ne parle pas un mot d'allemand. L'Amérique ne cédera jamais. Donc là, je crois qu'on est déguisé en nazi. On y est. On va s'infiltrer. N'oubliez pas, vous êtes commandant Franz, enfoiré de nazi de la SS de Francfort. Yeah. Donc là, on infiltre la base du château Wolfenstein. Les papiers, bitte. Hier. Ja, allez, laisse-moi rentrer. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Vous et moi, Blaskowitz, on fait une bonne équipe. On va y arriver. Bon, écoutez, votre allemand, c'est une vraie catastrophe. Alors n'ouvrez pas la bouche. Et gardez votre flingue dans son étui le plus possible. Ouais, ça va pas durer longtemps, je le sens. Les papiers que vous avez fait Kessler sont dans la boîte à gants. Là. Ok. C'est parti. Et n'oubliez pas, restez concentré. Mais ouais. Vous n'avez qu'à vous taire et à me suivre. D'accord ? Moi, tu es nazi. Ah, Kuchot, c'est bonne question. Je ne sais pas si il y a de la BOST, je l'ai laissé par défaut. Attends, option. Option audio, volume, voix, musique, sous-titres, langue étrangère.
Non, peut-être après dans les options Steam, mais là je vois pas. Donc je me suis arrêté là tout à l'heure pour tester le stream, donc je suis pas allé plus loin. Donc après, une fois qu'on a passé la porte, eh ben, c'est la découverte. Donc ouais, c'est pas terrible, il y a toujours ces putains d'ombres qui... ou ces textures qui pop quand on se retourne trop rapidement. C'est vraiment le truc Editech 5 quoi. Made in Editech 5. Si tu te retournes trop vite, il y a des trucs qui apparaissent brutalement. Mais Rage, c'était déjà pareil. New Order, c'était pareil au début. Donc et là, ça recommence quoi. Vivement que ce moteur disparaisse. Donc là, ça va être le château Wolfenstein, sûrement. Et on va rentrer tranquillement. Mais après c'est l'ADA qui est plutôt bonne. Pour l'instant, c'est vraiment le moteur qui est limité, quoi. Der Jäger kommt gleich. Jawohl, er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Hello, Hitler. Der Boten. Der Boten, ça doit être interdit. Je ne parle pas un mot d'allemand, je vous rappelle. Ah, la carte. Oui, alors c'est quoi déjà? J, la map, carte. Attends, c'est quoi les touches? Ah, d'accord, c'est celui-là. Donc là, on a notre carte. Le Führer visite à Paderborn. Ouais, bon, on s'en tape. On est là pour tuer des gens! Je veux tuer! Oh. Je peux passer? Je peux pas passer? Hello? Officer. Guten Morgen, Herr Jäger. Ja. Bonjour. Was gibt's, Greta? Tout va bien. Die Papiere bitte. Papier, Papier, oui, ça va. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein und dann. Wow. Wow. Comment rentrer direct dans l'action? Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Et le mec dit rien. Ah ouais, franchement. Hey. Mais n'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Là, je pensais que j'aurais commencé à tuer là. Hein. Non, je sors en hot dog et le mec il me laisse passer quoi. Hot dog. Fallait bien que je dise quelque chose. C'était Woody Jäger, le bras droit d'Elga. J'ai entendu dire qu'il nourrissait sa chienne avec les prisonniers du château. Allez, direction le château. Helga von Schwarz. Une vraie saloperie, celle-là. C'est le boucher qui l'a assigné en personne à la direction de la division paranormale de la SS. J'ai eu la malchance de la rencontrer lors d'une mission en Tanganyika. Vous l'avez déjà raconté, Blaskowitz? J'avais chopé une saleté de malaria à l'époque. Je crois bien que c'était le pire jour de ma vie. J'ai eu beau consommer des litres de whisky, ça n'a pas arrangé les choses. Vous imaginez? Enfin, bref. Ce château, il est à Helga. Elle en a fait son centre de recherche secret. Il faut à tout prix qu'on arrête le boucher ou on court à la catastrophe. Et Helga, elle va nous aider à y parvenir. Il existe un dossier secret qu'elle dissimule dans son bureau et qui devrait nous indiquer l'emplacement du complexe de Strasse. Ouais, Quickshot, ça se passe avant New Order. C'est avant la guerre. Enfin. Avant les aventures du New Order, avant qu'ils perdent la mémoire. On renversera l'issue de cette foutue guerre et on rentrera chez nous. Il a l'heure pour le thé.
Ah, déjà un trophée. Allez, descendez. Je vais désactiver l'alarme. Vous, vous calculez le temps de recherche d'Helga. Vous restez en contact. Laissez le canal ouvert. Je sors par où? Ah, c'est par là. Ok. Bon, ça doit être l'autre côté, on va fouiller un peu. Ah, trouver le centre de recherche. Ok. Je passe inaperçu. Il ne me voit pas. Bon, y a rien collecté. Bon. C'est quoi ce truc? Ok, je suis dans l'ascenseur. Ah, une arme. Ouais, pistolet, recharger, désactiver X, ok. Comment je me baisse? Attends, déjà, c'est quoi le corps à corps? Commande, si on touche. Couteau, c'est E. Corps à corps, ouais, souris 3, d'accord. Se pencher, c'est alt, ouais. Parce que normalement, je dois avoir un couteau, ouais, c'est ça. Bon, au début, je vais essayer de me la jouer infiltration. Il n'a rien vu. Mais que se passe-t-il? Je ne rejoins pas la passerelle. Ne tirez pas, ce n'est que moi. Ah merde, j'allais tirer moi. Ouais, ouais, je sais. Gros bourrin. Alors qui casse tout, je ne sais pas la durée de vie encore, c'est un standalone, mais après s'il dure 10, 12 heures ou 4 heures, je parierais quand même plutôt vers 4 heures. Vu qu'il coûte que 10 euros, ça doit avoir une durée de vie assez courte. En fait, je m'en fous de la vie pour l'instant. Mais oui. Y'a pas une arme sur le mur? Qu'est-ce que tu dis, Jäger? Quel mur? Ah si. Oh oh! Oh oh oh! Sont en chargé, mode 2 armes, molette. Ouais. Ah tiens, X, tu peux. Hop, hop, ouais. Mais oui, ça va, hein, 30 secondes, oh, je fouille, hein, je prends mon temps. Je le prie que j'ai payé le jeu. Hein. Enfin, je sais pas payer cher, mais je prends mon temps. Mais ta gueule! Ta gueule, man! Eh!
me fait pas chier quoi. C'est quoi X? Ouais d'accord, hop. Il faut tout fouiller. Hop, il y a plein de munitions là. Surtout que les mecs ils vont sûrement se pointer dès que je vais déclencher la radio, donc là je suis à la limite. Donc il y a toujours ce putain de truc où tu dois appuyer sur E pour récupérer les la vie ou l'armure. C'est pas automatique, c'est le seul truc chiant que j'avais trouvé vraiment de Wolfenstein. Éclaireur à Terre-Neuve. À vous Terre-Neuve, terminé. Terre-Neuve, impossible de trouver le cadeau de Lucie. Terminé. Éclaireur, j'ai de nouvelles informations concernant le cadeau de Lucie. Retrouvez-moi aussi vite que possible et nous en discuterons. Terminé. Reçu. Éclaireur, ah, voilà. C'est quoi déjà? Granada. C'est pas ça que je voulais, c'est pas grave. Ok. Où êtes-vous, petit soldat? Cette sortie, vous la trouvez, Wesley? Ah bah voilà. C'est un vrai fiasco, hein, BJ? Il nous reste une chance. Kessler a de nouvelles infos. Encore faut-il qu'on arrive à se tirer d'ici. Là, j'ai trouvé une issue. Venez, je vais vous aider à monter. Ouais, pour l'instant, c'était pas trop dur. Hein. Attends, c'est le premier combat aussi, faut pas... Rendez-vous avec Kessler. C'est le tout début du jeu. Bon là je suis munition à fond, je pense que ça doit être bon. Vie à fond, bon allez je m'en... Eh mais c'est ceux de d'une agent là. Comme les aliens au crâne allongé. Ah ce beau film. Mais attends. Ah oh là là. Voilà, une lettre déjà. Il nous reste peu de temps avant que les nazis nous tombent dessus. Mais ta gueule. Grâce à Dieu, je suis en difficulté moyen. On ne peut plus faire. Mais tu vas te la faire. Continue d'avancer. J'aime pas ces mecs qui te foutent la pression là. Ça casse pas. Aïe. Bon, j'espère que le stream marche bien, apparemment pas trop d'images perdues, donc ça va, c'est un jeu offline, enfin ouais.
C'est pas un jeu en ligne, donc ça va. Pas trop de délai sur le chat. Allez, vivement que je te casse la gueule à toi. Hein. Ah, vous aimez le sondage? Je savais que ça vous ferait plaisir. Bon, pas d'armes. Ya. Bon, les effets de lumière sont pas trop moches. Vous êtes conscient? Putain, mais qu'est-ce que c'est gris quand même, hein? Putain, Prestia, il aimerait pas. Hein. Ouais, je vous entends, Wesley. Tant mieux. Je vais trouver un moyen de sortir. La prochaine fois, je ferai un sondage sur Prestia. Est-ce que vous êtes déjà allé en Snowdonia? Je pense que la réponse sera la même que pour celui-là. C'est un endroit désolé mais majestueux, avec des collines à perte de vue. Mon père m'y emmenait faire des randonnées de temps en temps, avant la guerre. Et le bonheur d'être là. Il organisait son paquet de vin et de cheddar. Il y avait une énergie de fruits pour moi. Ouais, un tuyau. Je me souviens d'un fossile un jour. D'ailleurs, ce jour-là, je me suis cassé le pied en glissant sur le pied mouillé. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. J'aimerais tellement... Ouais, les tuyaux! Je vais pouvoir me la jouer. Gordon Freeman. Mais version nazie. Il y a un truc là-dedans. Oh putain de merde! Des rats. Des rats. Oh, attends, ça marche comment les tuyaux sont. Merde. C'était quoi déjà? P, O, R, je sais plus la touche. Et. C'est quoi le menu? Non, c'est pas ça, les notes. Tuyau, de toute façon, y'a rien à faire. Souris trop, souris pour frapper, ouais. Ça va, c'est pas trop compliqué à comprendre. Ça, c'est quoi tout ça? Élimination furtive. Ah, y'a des trucs de commandant, c'est vrai. Caisse de victime mitrailleuse, victime au couvert 1,50. Ramasser les casques. Mais sans santé, surcharger santé pour atteindre 200. Oui, ça va, ça marche comment les tuyaux? Non, mais on sait jamais, il pourrait avoir une subtilité que j'aurais zappé. C'est tout. Je me doute bien qu'après ça sert à taper. Hein. Oh, il y a un peu grimpé. Ah merde. Ok, je me suis cassé la gueule. Comme dans Tomb Raider. Il a pris des cours avec Lara Croft. Oui, je peux me pencher, je sais. Les super soldats sont alimentés par ces câbles. Si j'arrivais à couper le courant, ça pourrait les éteindre. Bon, lui, il est un peu gros, là. Oui, avec Lara Croft, ça va. Il s'arrête ou... Comment ça marche? Comment que ça marche ce truc? Ah oui, d'accord. Ah merde, il m'a vu, je crois. Oups. Je suis mort. Ou pas. Ok, là il s'est arrêté en fait. D'accord. Ah, ça c'est mieux d'un coup. En fait, une fois que tu lui coupes le courant, le
Ah oui, d'accord, parce que le mec, il est sur un rail, quoi. Donc ça, tu coupes ça, là, il n'y a plus de courant. Donc, il s'arrête. Ok. Voilà, ça doit faire la même chose. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de... Je veux d'abord aller voir ce qu'il y a l'autre. Parce que là, il y a un truc, je peux aller voir encore. Et la bouffe. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Allez, on va s'infiltrer. Mais pourquoi je lâche le minigun là? Mais non, je veux mon minigun. Oh, rends-moi mon minigun. Merde. Putain, je chope un minigun et je vais le lâcher. Oups. Ouh. Oups. Quoi ce truc? Oula, 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 oula. Bon, je suis mort. Raté. Ah, oh, même plus je reprends là, quoi. Tu vois, il est bien sur un rail, le mec. Donc là, j'éteins, hop, il se coupe. Je rush et j'élimine. Bon, ça sert à rien que je chope le truc. Je vais chercher à bouffer et je reviens. Allez, crève! Bon, je crois que la manière forte n'est pas celle qu'il faut utiliser. Je crois qu'il force l'infiltration. Je suis pas là. Les super soldats sont alimentés par ces câbles. Si j'arrive à couper le courant, ça pourrait les éteindre. Bon, finalement, j'ai bien fait de jouer à normal, hein. D'accord, tu peux le démonter. Hop. Je sais pas la différence. Merde. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Bon, l'autre il s'inquiète pas, il a dû voir son pote qui est mort, mais bon. Nazi intelligentsia. Ok, rien à récupérer.
Ouais, checkpoint. Wouh. Ah merde, clébard. Ah ah, crève. Bon, pas été très discret sur ce coup-là. Ah ça va, foutez pas de ma gueule. Mais vous aurez compris le coup du câble. Non, j'avais compris le coup du câble, c'est juste qu'après je fonçais dans le temps, moi. J'ai pris la mitraillette, c'est parti quoi. Moi je suis dans un shooter, je prends une arme et je shoot quoi. Oh, une caméra. Ouais, bouffe de... pour clébard, hop. M'a pas vu. M'a pas vu. C'est quand que je shoot? Oh, je suis planqué là, comment il me tire dessus? Oh, oh, j'ai pris un sandwich. Je suis parti, je suis plus là. Ah merde. Ah c'est bon, il s'en fout. Bon allez, c'est quand que je chope une arme là? Je veux mitrailler moi. Oh merde. Il se coupe jamais lui. Attends, on va le laisser passer. Bon, jusque là, le début est moyen. Ah merde, lui ça le coupe pas quoi. Faut pas ouvrir la porte. Ah merde, y'en a un là, par où je passe quoi. C'est lequel qui est coupé là? Ah merde, c'est lui. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, il suffit que tu te planques et hop. Salut Jibo! Toi aussi t'as mon sondage? Bon, bah il se rebarre. Donc on... Ah merde, il se rebarre pas en fait. Il m'a revu. Mais arrête de me tirer dessus! Je ne suis plus là. Ouh. Ah tiens, un truc. Je suis planqué. Tu ne me vois pas. Ah merde, lui il me voit par contre. Bon. Là ça commence à me gaver.
Mais il est toujours là, lui. Banzai! Putain, cette IA! Bon, faut que j'arrive là. Non, lui, il attend encore. Il s'approche ou quoi? Non, il se casse. Voilà. On les a pas tous tués, mais c'est pas grave. Hop, on peut passer par là. Je saute ou je peux continuer? Non, c'est fermé là-bas. Ouais, c'est fermé. Mais ouais, finalement, vous voyez, il suffisait de foncer dans le tas. Bon, allez, j'espère que ça va venir un peu mieux. C'est ouvert là-haut, je sais pas comment je grimpe. Ah si, c'est par là. C'est vrai que maintenant on peut se la jouer Lara Croft. Je lis le chat en même temps. Oui, c'est bon, j'ai compris qu'il faut que j'appuie sur C pour m'accroupir, je suis pas débile non plus. Oh putain, le truc qui te prend pas la main quoi. Non, là j'aimais bien le jeu de base, mais là j'avoue que c'est un peu chiant pour l'instant. C'est mou pour redémarrer. Non, là j'étais au-dessus. Mais c'est pas graphiquement, c'est juste. C'est juste le jeu, hein, parce que le jeu original est bien. Tu m'as pas vu. Coucou, coucou. Clic. Pour briser les caisses. On sait jamais. Quand t'aurais jamais joué un jeu vidéo. Ah ah. Ah mais en fait il suffit de les déconnecter et pas de tirer dans leur tête. Voilà. Une fois qu'on a compris, c'est quand même plus simple. Ouais, ça me burne là. Allez, lâche ça. Salut Esteban, ne dépense pas trop d'argent. Et oui, je peux taper dans des caisses. Derrière, je sens. Ah, il y a un clébard. Que je suis panier.
Hop, hop. Putain, c'est trop dur à lire le level design, c'est... Hop, là il y a une porte. Là on peut pas passer. Donc forcément, il faut ouvrir la porte. Pattern qui se bat. Hello, hello. On se croirait un peu dans comment ça s'appelle Dishonored, où tu peux te pencher, les mecs ne voient pas, c'est pareil. Oui, je bouffe des croquettes pour chien et j'aime ça. C'est de la pâtée. C'est très bon, c'est très nutritif. C'est surtout la pâtée allemande. Et il est mort? Il est mort lui? Bon, maintenant il est mort. Ouais, c'est clair que Deus Ex aussi en envoyait des canalisations et des tuyaux, hein. What? Ah merde, faut foutre le jus d'abord. Faut mettre le jus avant, ce truc sert à rien quoi. Par paire à 30 secondes. Bon là, va falloir sûrement jouer à cache-cache. Effectivement. Super béton. Oh, je peux pas me le choper. Hey, hey, hey. Bon, allez, tue-moi et je recommence. Merde. Je vois pas là. Ouais, c'est bon. Voilà, j'avoue que j'ai fait mon mongol et encore je suis pas mort quoi. J'aurais peut-être dû foutre un cran dessus de la difficulté. Pour l'instant c'est pas génial. Ouais, je suis à fond. Est-ce qu'il y a des trucs qui se cachent? Pour l'instant ouais, c'est Tunnel Simulator hein. On suit des couloirs, on ouvre des portes, on tue des robots et voilà. Y'a quoi là? Y'a rien. Y'a... C'est l'air de manger... Des égouts. Oh, des égouts. Ça manquait les égouts. Ça faisait longtemps.
Hop. Allez, grimpette. Merde. Encore une bouche d'aération. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Hitbox qui freeze. Salut qui casse tout, merci d'être passé. Et pas un jeu où on interprétait un rat des tunnels pendant la guerre du Vietnam. Wow. Alors là. Bon. Alors là, je vais sauter, il va se passer quelque chose. Bon là, il y a un chien qui arrive déjà. Allez, en plus je me fais poutrer la gueule. Ok, donc je peux pas passer. Faut que je fasse le tour. Toto, toto, toto. Toto, toto. Bon alors c'était pas discretos, discretos. Et qu'elle crève, connard. Ouais, de toute façon je vais bouffer ta gamelle. Juste pour me venger. Pof, pof, pof. Bon, y a rien, donc... Ah, on peut passer. Ça m'amène au même endroit, je suppose. Bon, alors, on prend laquelle? La 1 ou la 4? 1, 4, 4, 1... Ça mène où, ça? Ah, en fait, s'il faut, les os sont fermés. Ah, c'est le piège. Je parie que les autres sont fermés. Ou pas. Bon, bah, je prends laquelle. Ça mène au même endroit, je suppose. Bon, allez, on va descendre là. Ouais, ça doit amener au même endroit. Des rats. Il y a rien à choper. Rien à choper. Ah, un mur à poutrer. Bon, pour l'instant, c'est la seule innovation, c'est les tuyaux et les murs à grimper. Bon. Bon, c'est un standalone, faut pas trop non plus lui en demander. Ça m'a coûté 10€. Bon, le jeu de base m'a dû m'en coûter 15. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas sans ces Brésiliens? Ah, je vois que ça parle de Borderlands The Pre-Sequel. J'ai bien aimé le 2, mais j'ai jamais... Celui-là, il me disait rien, vraiment, celui-là. On se sentait la merde à plein nez. Coucouche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un clébard en face. Tiens, faudrait que je fasse le dernier DLC de Borderlands 2 de ces jours, là, Tiny Tina machin. Je peux le streamer à l'occasion. Quoi? Faudrait que je me remotive.
T'aimes pas Tina Gracchus? Pourtant, t'aimes bien la petite fille, toi. Bizarre. Bon, comme par hasard, il y a un interrupteur qui est à juste 2 mètres. Comme par hasard. On peut pas courir avec Storm. En dessous de 24 ans, ça m'intéresse pas, Gracchus. Oh, tu cracherais pas sur Elisabeth, hein? Ah, ah, dis pas de bêtises, hein? Tu croiserais Elisabeth de Bioshock Infinite dans la rue, hein? Même à 18 ans, hein, tu lui dirais pas non. Hein? Et Bardak, tu as vraiment fini Borderlands 2 une dizaine de fois? Vraiment? Ouais, là tu vois, Jaeger, ça marche aussi pour la princesse de Frozen, elle a pas 24 ans, hein, Gracchus. Ouais, oh, quoi? Rudy Jaeger. Bon, on va pas tout lire, hein. Ouais, on est dans Wolfenstein, hein. Si j'ai envie de lire, je m'achète en roman. Caca. Bon, on est où là? Attends, je sais même pas ce que c'est l'objectif en fait en ce moment là. Attends, merde, c'est quoi déjà la touche? Faut que je trouve Weasley. Ok, Weasley, ça va être l'autre là. J'avance dans les couloirs mais sans savoir ce que je dois faire. Je peux pas le tuer là? Ah merde, je vais lui parler. Parlez-moi du secret. Je voulais tuer. Qu'est-ce que Helga sait? Moi, j'ai envie d'avoir un objectif. Tout bon jeu vidéo doit donner un objectif. Désolé, mon vieux. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Ah, je peux pas le taper, fais chier. Une épée des médiévales, le couvert, ouais, bon, on s'en tape. Y'a du caca, y'a rien d'autre. On peut pas passer de l'autre côté, non. Merde. Ouh. Wesley, je vous ai déjà parlé de ma tante Sarah. On lui a diagnostiqué une démence quand elle avait 20 ans. Avec. Ouais. Okay. Elle était tout le temps à côté de ses pompes. Je me souviendrai. Je peux. Je peux même pas leur. Oh. Ma grand-mère avait peur qu'elle me contamine. Je peux pas les taper. Oula, le mec là, il a passé un peu de temps. Hein. Rien de planqué. Oh, je peux dormir. Ouais, j'ai un trophée en plus. J'ai l'autre truc, amélioration de santé. Parce que, ouais, c'est ça. Donc là, ma santé augmente de 30%. Attends, je vais d'abord dormir parce que si c'est comme dans le premier, normalement ça mène des cinématiques ou des mini-jeux.
Ouais, le mini-jeu Wolfenstein, vieux. Comme dans le premier. Ils sont pas foulés, ils ont fait exactement la même chose. Par contre, je crois que c'est chaud parce qu'il y a très peu de munitions dans ces niveaux. C'est toujours aussi nul. C'était nul dans le premier jeu, c'est toujours aussi nul. Je peux pas choper là, non. Putain, mais le truc plat quoi. Je veux bien que ça soit comme dans l'original, mais bon. Qu'est-ce que c'est moche? Quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Je suis allé là, non? Allez, crève. Par contre, pour la pâtée, c'est qu'ils ont pris la set du jeu de base, quoi. Attends, c'est par... Non, par là. C'était bien mauvais Wolfenstein à l'époque. Il n'y a pas les munitions là. Putain, c'est labyrinthique, c'est moisi. Bon, c'est quand que ça se finit? Non, je peux pas me réveiller là? Allez, crève. Voilà. Oh, de la saucisse. Oh! Putain, en plus c'est même pas par là quoi. On peut pas péter ça. De la manger à manger. Non, ça c'est un. Alors là, va savoir où c'est quand même. Non, mais là, de toute façon, ça mène au même endroit, ça, je suppose. Ouais. Non.
Ouais, je dois pas être passé par là encore. Ah. Personne. Droite, gauche, droite, gauche, et droite. Où est la sortie? Mais donnez-moi la sortie. Putain, mais je peux même pas passer là. Oh là là, mon dieu. Oula. Ouh, ils sont costauds là. Je vais passer plus de temps sur le jeu sur le rêve que sur le jeu de base quoi. Putain, mais c'est pas fini encore. Oh. Ah, c'est pas ça la sortie là-bas? Non, peut-être pas en fait. Oh putain. Je crois que je vais me laisser crever hein. Parce que là ça me saoule un peu en fait. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Voilà, je suis mort au moins. Ça c'est fait. Et on va reprendre le jeu de base. Ouh. Putain, c'est bizarre, ça fait tout flou d'un coup. C'est plus joli, mais c'est flou. Je veux pas le couteau moi. Merde. Ouais, j'avais le tuyau. Rien d'autre. Tout. Allez. Il est un peu gros lui. Oh putain, tu me parles d'un clébard. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Parce que c'est ce bruit, mais ça me plaît pas des masses. Ah, oui, ça me plaît pas des masses, effectivement. Oh, coucouche, coucouche bagnée.
Ah, les commandants, c'est comme dans le premier, il faut les éliminer en premier avant qu'ils appellent les renforts. Il y en a deux. Donc il va falloir y aller tout en douceur. Mais ouais, quand on est dans Wolfenstein, j'aimerais bien bourriner un peu quoi. Bon là c'est un commandant ça. Ouais, c'est pas ça. Nah. Voilà. Ouais, vous êtes refroidi pourtant. Pour l'instant, je m'amuse bien. Enfin, comme dans le premier, ça manque un peu d'action, mais il y a certains passages dans le premier qui manquent un peu aussi d'action comme ça. Bon, le mec, l'autre, il est par là-bas. Donc, je dois pouvoir sauter ou passer de l'autre côté. Mais ouais, faites le 1 en priorité. Enfin, le jeu de base. Eh ben. Gorge qui gratouille. Ah, pas ça. Alors la prison, faut que j'aille en face. Eh ben. Oups, raté. Ok, le clébar qui m'a pas. T'as la position. Oh, les mecs qui veulent faire des cagnottes pour tout n'importe quoi maintenant. J'avais une vraie raison, moi. Tartuffe B, quoi. À part pour. À part pour Taxalot, quoi. Ah! Alerte! Ah, bon, ben. Ok, alerte. C'est quoi déjà les grenades? Et c'est G comme d'hab. Oh, c'est bon, c'est G, ils ont pas changé ça. Allez, viens. Quoi, sérieux, ils auraient pu changer la touche, on sait jamais. Il y en a des fois, ils le mettent sur la touche sur la clic molette, mais bon, là c'est l'infiltration, donc oui, j'aurais pu l'éliminer.
Bon, là, on peut s'enfuir, mais j'ai pas envie de m'enfuir encore. J'ai un commandant à éliminer. Pas un petit fusil à pompe dans le coin là. Ta gueule, commandanto. Camp pistole, ça a l'air bien ça, c'est quoi? Pistolet tir unique, c'est une munition explosive efficace pour une des signes rentables ou les groupes de. Ouh, c'est bien! Camp pistole, ouais. Ok. Ah mais y en a qui parlent l'allemand, Camp Pistol. D'accord. Bon, et plus rien, c'est bon, on peut aller ouvrir les trucs. Bon, ça sent les mecs qui vont rappliquer, non? Même pas. Ah si, quand même. Ils sont où les mecs? Allez, viens quoi. T'en vas pas. Bon là ça commence à devenir un peu plus intéressant d'un coup. Il y a enfin de l'action. Bon ils sont pas très fut-fut mais il y a un peu d'action. Ça manque d'un shotgun mais ça se fait. Je ne sais pas ce que vous racontez sur le chat, je ne lis pas en ce moment. Hein. Ça doit être fini. Ah merde, je suis tombé dans l'eau. Putain. Oh le boulet. C'est quoi? Ah non, c'est pour le... C'est les munitions pour le campus machin. Allez, c'est parti.
Bon là, au moins, il se passe des trucs. C'est mieux. Ah merde, j'ai plus de munitions. Ah c'est mieux d'un coup là, il se passe des trucs. Ah, un sort en plus. Ah, on n'est pas arrivé encore. On voit de l'extérieur. Salut Gibo, tu t'en vas maintenant que ça devient intéressant. On tue des nazis. Quelle heure? 22h23, on a encore le temps. Oh, bon, on s'arrête. Le rail shooting est fini. Chapitre 2. Ah, on recommence le rail shooting en fait. Vous en faites pas, Wesley. J'ai un plan. Je m'introduis dans le donjon. Je tue tous les putains de nazis sur place. Je vous libère. Et ensuite, on se tire de la en vitesse et on joint Kassler à la taverne du village. Ah, Wolfenstein. Dessus. Donde estas, poquito nazito? Oh, il y a encore un. Ça a bien giclé. Oula, merde. Ah, mais il y en a encore. Ouh. J'ai l'impression d'être un clodo quoi, faire tous les trucs qui traînent par terre. Ils ont vraiment fait foutre en ramassage automatique. Grenada! Bon, ça devient un poil plus sympa. Après 1h30 de jeu. Pour un jeu qui en dure 4. Bon, il y en a donc au moins un tiers qui est chiant. Un bon quart du jeu qui est un peu chiant. Une carte. Ouais. Bon. J'ai vu un truc là-bas.
C'est calme chez les nazis. Faut prendre l'autre bateau. Donc là, il n'y a plus rien. En fait, j'ai pas regardé. Juste les atouts pour choper le 2. Surcharge 500 protéines 250. Ouais. Et tête explosée qu'un tuyau 0. Oh. casque, illumination de commandant. Ouais. Ok. On verra, c'est pour choper les trophées, ça sert pas à grand chose. Hein. Attends, mais c'est là c'est là où j'étais tout à l'heure. Ouais, effectivement. Je sais plus. Peut-être pas. Ça ressemble, ils ont fait un copier-coller en fait les mecs. Les mecs ont fait un copier-coller ou je me plante de direction? Non, ils ont, je me trompe pas, ils ont fait un copier-coller. Pas foulé sur ce coup là quand même. Bon, 24 mètres, 30 mètres. Pas trop trop loin. Ah là, il y en a un là-haut. Je suis encore un peu loin. Oh, le bomber chance. Quoi, c'est J. On va essayer de le faire un furtif. Ouf. Complètement débile. Ok, il y en a un qui est par là et l'autre il est au fond. Donc là il y a un commandant mais il est un poil loin encore. Comme j'ai pas un sniper là, c'est pas génial. Voilà, un. Oh, un tuyau d'aération. Voyons, une mène. Ok, ça c'est fait. Je serais pas emmerdé. Donc là, comme j'ai éliminé les deux commandants, il n'y aura pas de renfort. Le truc, c'est facile si tu le fais en discrétion. Si tu fonces dans le tas, tu te fais repérer, donc d'un coup, il y a plus d'ennemis qui arrivent. Mais de base, il n'y en a pas des masques. Carte mise à jour. Ok, il faut aller là-bas pour choper la clé.
Ok, la clé, le plan. Je vais juste aller faire un tour dehors, histoire de voir où ça mène. Quoi. J'ai envie de tout fouiller. Parce que ça mène là en fait, ouais, ça mène à l'extérieur, ok, c'est pour faire le tour. Mais un truc fun dans le premier, dans le jeu de base, c'est un espèce de laser qui permet de découper des mecs, c'est très sympa. Là tu l'as pas. Mais le premier part bien dans des délires de science-fiction que là t'as pas vraiment en fait. Vu que c'est avant, bah, c'est un peu normal. Alors que dans l'autre, t'as bien des mechas, des grosses machines. Un mec qui t'amène à une cité souterraine secrète. C'est cool. Ouais, il arrive un peu tard le laser, mais tu peux bien le l'upgrader. Il est bien sympa quand même. Donc je conseillerais quand même le 1 à tous les mecs qui ont envie de jouer à Wolfenstein. Et pas le cet add-on pour l'instant. Qui est pas mal, mais sans plus. Ah, je savais qu'il y avait un truc là. Ah. Entendre toute votre conversation. Un mec. Voilà, deux mecs. Capte rien les mecs. Oh tiens, ils sont morts. Ah, j'ai boué de retour parce que je marche pas. Ah, y'a Jibo qui rage. Nora Jibo. Ça marche pas en Mortal Kombat. Bon alors là on peut passer par en dessous et là on peut... Y'a un truc sur la flotte, non. On peut pas passer là. D'accord, je suis un surhomme et je ne peux pas grimper en pauvre marche. C'est juste parfait ce jeu. Mais grimpe! Putain, il peut pas grimper quoi. Bon, y'a un truc là-bas, mais. Soit. Mais soit, il faut que je passe par là quoi. Ouais! Bah allez couillon là. Est-ce que je peux arriver à grimper là-dessus? Mais je te demande pas de l'enjamber. Je te demande de grimper dessus.
putain. Bon, on va laisser tomber, on va grimper. On s'en tape. À part que non, là tu peux pas passer. Ah mais arrête de tomber dans l'eau. Oh putain. Quoique si je passe, je peux tenter par là. Je pourrais. Ouais d'accord, je peux. Je suis bloqué. Ouais, là, là je peux. Allez. Putain. Oui mais je sais Gracchus, j'ai vu le mur avec le tuyau. C'est juste que j'ai envie d'aller voir là-bas, tu vois. Parce que là ça s'ouvre et j'ai envie de choper les trucs qu'il y a derrière. Mais j'ai bien vu qu'il fallait grimper avec le mur et le tuyau. Je suis pas débile. C'est juste que j'ai envie d'aller là. Ah. Bon c'est nul, je suis grimpé quoi. Je sais pas ce qu'il y a derrière, c'est pas grave, s'il faut on va y aller. Chute. Plouf. Bon, je suis dans les catacombes. Il y a des cadavres. La dé est mieux. C'est joli. Je peux pas choper l'épée. Là, pour l'instant, c'est joli, tu vois. C'est plutôt pas mal, franchement, là. Enfin, niveau intéressant. Ouais, une zone secrète. Bon, bah, en fait, il fallait pas se faire chier à faire le tour. Il fallait juste grimper comme un couillon. Et passer par le côté. Voilà. Comme quoi, ça sert à rien de se prendre la tête. C'est un jeu de casu. Alles klar, jetzt hab ich dich. Ja. Dankeschön. Ok, si tu veux. Alors là, ça doit pouvoir grimper, on va passer par là. Oh, un couteau de lancer, ouais. Là en bas, voyons, ça donne l'autre. Tiens, j'ai pas regardé à quoi ça ressemblait le Bambostrus. Ouh! Aïe! Connard! Je peux pas grimper en fait. Oh! Ah, ça fait mal! Ouais, en fait, je pensais qu'on pouvait grimper, mais on peut pas. Il me semblait bien qu'il grimpait pourtant au truc comme ça dans le premier. Bon. Ah, bon bah ils m'ont chopé. Bon bah il est mort. Enfin un niveau avec une DA sympa quoi. Là ça me rappelle un peu Rage.
qu'il y avait des niveaux très sympas. Bon, par contre, on a juste remplacé les conduits de ventilation par des mini grottes, hein. Mais grosso modo, c'est la même chose. Ah merde, à chaque fois j'oublie que. Il suffit que j'appuie sur A pour switcher. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait le ménage. Personne. Ah, encore un succès de déverrouiller. Il y avait une grenade dans la bouche du squelette. Où ça? J'ai pas vu. On a pas fait gaffe. Je peux aller à droite ou à gauche? Non, je peux pas aller à droite ou à gauche puisque là c'est un cul-de-sac donc. Non, non. Wouah, j'apprends comment sauter. Ouais, non, y a rien. Continue. De grenades, plus de place, encore une grotte, ah. Moi j'utilise les tuyaux. Ça coûte pas cher. Je gaspille pas de balles. Par de quoi Dracus, le film Prince of Persia? Ouais, ça se regarde. Et apparemment j'ai vu qu'ils allaient faire le film Assassin's Creed qui rentre en tournage bientôt avec Michael Fassbender. Ça va être un pur chef-d'œuvre ça encore. Wow, Assassin's Creed, ça se laisse regarder, franchement. Prince of Persia. Pas un chef-d'œuvre. Mais... Alors, il y en a un à 5 mètres, 3 mètres. Il est où? Au-dessus sûrement. Ah, t'es là, nazi. Nazi, nazion. Donne-moi un angle de tir. J'ai pas d'angle. Oh les Sinitman quoi. Oh là là, enfin le prochain qui va sortir là, ça a l'air d'être une dub. Et ne parlons pas du film Mario Bros qui est une insulte. Voilà.
On va aller par en haut, on va voir ce que ça donne. Il y a un mec à 28 mètres. Personne. Tout est clean. Ça c'était le commandant qui a trépassé. Ok, 11 mètres, 10 mètres, 8 mètres, on se rapproche. Droite, gauche, droite, gauche. Ça c'est l'avantage de jouer en 7.1, c'est qu'on entend bien les mecs s'ils sont à droite ou à gauche. Et voilà. Oh putain, c'est vrai qu'il y a Gemma Tartan dans Prince of Persia. Sacré bonne hein, celle-là. Gemma Tartan. J'ai regardé certains films juste pour elle, même si c'était de la merde. Ouh, un trou. Putain, il est pas mort lui. Oh. Bon. Est-ce que je tombe dans le trou ou pas? Par où? Par là-bas? Bon, allez, prenons le trou. J'aime bien les trous. Ah bah voilà, en plus c'était une zone secrète. Bien fait d'y aller. Non, really quoi, le mec, le truc il t'amène juste devant juste devant la sortie quoi. Putain, on se croirait devant le dernier Deus Ex quoi. Dernier Deus Ex, des fois c'est pareil. Tu prends une canalisation, hop, t'es devant la sortie. Waouh, trop dur. Ah, ça part d'Ellen Page. Ah, putain, elle aussi. Mais ouais, bah, lesbienne. Une perte. Un peu petite, mais bon. C'était sur quoi déjà ça? Musée de la défense? Non mais on dit. Ouais, on s'en fout. Ah, une amélioration. Ouh. Ok, sniper. Raté. Mais bon. Bah voilà, ça commence à décoller un peu le jeu. Enfin. Pas tard d'arrêter par contre. Bon, en fait, c'est fermé. Ah oui, en fait, c'est l'entrée quoi. Oui, c'est là où je suis arrivé. D'accord, d'accord. Je monte, je descends. Godfroy de Montmirail. Bon, bah, je devais sûrement monter. Y'a quoi? Y'a un truc là?
Grenade. En fait, je vais monter alors. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Ah, mais. Ah, bah en fait, c'était fermé, j'aurais dû essayer d'entrer. Pof. Bon, bah, retourne, on va pas foncer dans le tas. Je t'ai pas vu. Ah, un sniper. Ok, lui c'est bon. Donc tout ça pour ouvrir cette putain de porte, j'ai dû en ouvrir la moitié mais il doit manquer. Alors, c'est par où? La carte, il part là. Bon bah à la nage quoi. Oh, encore un tunnel. Comme quoi, le tuyau sert toujours. Ouvre la porte, ouais, toujours pareil. Hop, attends, hop. Je rechoppe ça, on regrimpe. Ah! Ok, ça c'était pas prévu qu'il se pointe lui. Oh fuck, je reprends au dernier point de passage. Merde. Ok, il est costaud lui. Ah d'accord. Non mais pourquoi je prends le couteau moi, putain. Eh merde. Voilà. Ah j'étais un peu trop près là je crois. Non mais jamais il y a la finesse. De toute façon je suis mort. Ah ouais. Ah ouais, c'est balèze quand même. C'est costaud ces merdes. Non, je sais que là, je te vois. Tourne pas autour.
Bon bah voilà. Ah, le choc hammer. Quoi, j'y... Mais comment ça va? Ok. Il est où le choc hammer? Ce truc. Peu de vie. Putain, mais il y a des chapeaux de nazis, mais partout quoi. Les mecs ils laissent traîner quoi. Par contre, j'ai toujours pas le shotgun quoi. Ya! Ça va faire boum! Ouais, c'est vrai que j'utilise pas trop mes grenades. Je suis pas très grenade moi. Ah, la porte du donjon. Ouais, je peux rentrer. Bah c'est vrai que j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Et elles peuvent servir plus tard à chaque fois. Bon là, il y a des mecs qui vont débarquer, comme par hasard. Je vais devoir les affronter, comme par hasard. Merde, en plus tu vois, j'ai utilisé une grenade, je me suis chié. Ah merde. Strapper. Ah, raté. Pourquoi t'as bougé? Allez, je fais mon clodo, je ramasse maintenant. Et voilà, c'est ouvert. Plus rien, rien à choper. Bon bah voilà, j'aurais peut-être dû mettre un cran difficulté au-dessus. Oh toi, t'as bien dégouliné. Allez, on rentre dans le château. Un peu de soin. Fallgitter, je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a un qui a fait allemand LV2, qui peut me traduire. Bon bah on va s'arrêter là. Vous avez vu la moitié du jeu peut-être en fait, il n'y a que 4 parties. Donc voilà, je sais pas si je referai... Ah merde, je vais me faire voir. Je pense pas que je refasse la suite en stream parce que je vais le finir ce week-end sûrement. Donc voilà, c'était bien sympa pour vous montrer ce que valait Wolfenstein The Old Blood. Donc en conclusion, si vous avez aimé le premier Wolfenstein, bah là ça commence à décoller, c'est assez sympa. Pour 10€, ça va je dirais pour l'instant. 20€, je trouve que c'est peut-être un peu cher.
Mais moi j'aime bien pour l'instant, celui que tu dis que t'aimes pas, mais moi pour l'instant ça vaut peut-être pas 20 euros, mais à 10 euros, ouais ça se laisse jouer. Mais par contre, ouais, acheter le premier était vraiment sympa. Ne faites pas comme Prestia vous dire que c'est moche, il est vraiment sympa avec un petit feeling old school, avec des ambiances sympas, des nazis, méca, science-fiction, mais ouais, au moins le New Order qui se laisse jouer. Et qui doit se trouver à pas cher maintenant, ouais, ça vaut le coup. Le premier vaut bien le coup à pas cher. Ou même à 15-20 euros. Ça. Mais là, celui-là, ouais, attendez qu'il passe à 5-10, pas plus. Là, ça sent le jeu hein, avec une durée de vie super courte. Là, en 2 heures de jeu, on en a peut-être fait la moitié, donc ouais, comptez 4 heures. Je suis pas sûr qu'après, il y ait une grosse rejouabilité, donc ouais, voilà. Donc un solde à 80%, ouais voilà, ça les vaut. Donc, moi je vous dis une bonne soirée. Je sais pas qu'est-ce que je ferai comme stream la prochaine fois. Enfin, je verrai. Star Citizen peut-être. Ça se faufile. Et à l'envie. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!